Bien, chers amis, je vous demande 30 secondes parce que le temps n'est pas tout à fait estival, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, il a fallu que nous sortions tout l'attirail. Voilà, je suis à vous. C'est bien meilleur ici. Bon, écoutez, le souvenir de Marseille est encore dans tous les esprits parce que ça n'était pas il y a très longtemps. Mais le match qui nous attend contre Nantes est encore plus près. Alors, bien sûr, c'est le match de la relance. C'est le match qui va compter parce que, à défaut d'être parvenu à obtenir un bon résultat à Marseille, en dépit du bon match dans l'ensemble de l'équipe, cette fois, il va falloir arrêter de parler, d'extrapoler. Parce que là, il faut des points. Il faut des points contre le Football Club de Nantes, 17e, qui n'a gagné qu'une fois à l'extérieur depuis le début de la saison, la 18e attaque de Ligue 1. Bon sang de bonsoir. Il nous faudra bien trouver cet équilibre entre le jeu offensif très prometteur de l'équipe et son assurance défensive qui fait débat. Oui, ça fait débat. Ça n'est pas pour enterrer nos joueurs de la base arrière, mais c'est vrai que l'équipe, globalement, prend trop de buts pour l'ambition qu'elle affiche. Alors c'est ça, c'est l'équilibre qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, surtout contre Nantes et surtout en ayant bien à l'esprit les matchs qui suivront derrière contre Monaco à Paris et contre Lens. Michel Derzakarian est venu mettre l'accent, bien sûr, sur cet équilibre à trouver, donc, entre l'animation offensive et la solidité de sa base arrière. On a joué dans deux systèmes, trois systèmes. Je le répète tout le temps, quand on n'a pas le ballon, c'est toute une équipe qui doit bien travailler pour bien récupérer le ballon. Ça dépend si on décide d'aller chercher haut, si on attend mi-terrain, si on attend plus bas. Et après, quoi qu'il arrive, il y a des situations qui arrivent tous les matchs. Sur des pertes de balles, on laisse des espaces. Il faut être à même de bien réagir vite et bien lire les situations pour pouvoir intervenir et être au bon endroit et bien l'exécuter. C'est ce qu'on fait pas très bien. Eh bien, nous allons donc, du coup, affronter ce samedi soir le Football Club de Nantes de Raymond Domenech, fraîchement arrivé à la Beaujoire, à Nantes donc, qui, pour son premier match, a fait un nul, 0-0, dans le derby breton contre Rennes, et qui va donc vivre son premier match à l'extérieur avec sa toute nouvelle équipe nantaise. Évidemment, au classement, bien moins flatteur que celui des Montpellierains. Nous sommes 9e, d'accord. Ça a moins de clinquant que la 8e place que nous occupions et la 5e, voire la 4e que nous avons obtenue au meilleur de nos résultats durant cette phase aller, qui va donc arriver à son terme à l'occasion de ce match contre Nantes. Daniel Congré est, quand Vito ne joue pas, le patron de la défense, c'est bien connu. Il a été l'un des meilleurs Montpellierains, entre guillemets, à Marseille mercredi soir. Daniel Congré, pas besoin de lui expliquer 120 fois aujourd'hui ce qui constitue quelque part un peu le talon d'Achille de la formation. Il faut prendre moins de buts, ça c'est clair. Ouais, mais il faut passer par là. Si on veut amener du monde vers l'avant, se créer d'autres occasions et marquer des buts, ça passe par là. Donc il faut que les retours se fassent rapidement, mais nous, à nous derrière aussi d'être intraitables dans les duels et essayer de se... qu'on concède le moins d'occasions possible, parce que même contre Marseille, on en a concédé quelques-unes. Et bon, ils marquent 3 buts, mais ils ont eu quelques situations aussi dangereuses. Mais on en a eu aussi beaucoup, donc en termes de points, si on parle d'un match de boxe, on est peut-être sur le même pied d'égalité. Donc avec un peu plus de réussite, ce match aurait pu tourner en notre faveur. Mais voilà, il faut que physiquement, on arrive à tenir le coup pour bien gérer ces fins de match. Voilà, nous l'avons tous à l'esprit. Évidemment, ce match contre Nantes est très important parce qu'il va forcément conditionner autant que les prochains matchs derrière ce mois de janvier. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter, nous recevrons Monaco dans 8 jours, nous irons à Paris dans 15 et nous jouerons contre le Racing Club de Lens à la fin du mois, début du mois de février. Donc là, il ne faut vraiment pas se louper. Et ce match, c'est samedi soir, demain, à 21h au stade de la Mosson. Je vous y retrouverai bien sûr toujours avec autant de plaisir et beaucoup d'espoir de voir notre équipe enfin gagner. Elle n'a plus gagné à la Mosson depuis le match contre Strasbourg. Samedi 21h au coup d'envoi à samedi soir.